19 et 20 novembre 2014, Pôle emploi organise les ateliers AMCEP. Le thème, dynamique de l'innovation et gestion des idées. Pendant deux jours, plus de 40 pays partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. C'est parti! Mesdames et messieurs, bienvenue à cet atelier AMCEP organisé par Pôle emploi. Une fois de plus, ce sera l'occasion de confirmer le grand intérêt pour cette plateforme d'échange. Les services publics de l'emploi du monde, nous sommes 90, une quarantaine présents aujourd'hui, échangent sur leurs pratiques, leurs expériences pour s'améliorer, se développer. En tant que service public de l'emploi, nous avons à faire face à des défis qui sont parmi les plus importants. C'est une nécessité de travailler avec nos attitudes, de créer un climat, une culture pour l'innovation. Comment moderniser les services d'emploi public, dit les SPE? Face aux défis à relever, des tables rondes permettent d'échanger sur la méthodologie adoptée pour développer l'innovation. C'est pas simple, la lutte contre le chômage. Et donc, il faut être tout le temps en veille, tout le temps en recherche d'innovation pour apporter des solutions adéquates aux différents clients, que ce soit les chercheurs d'emploi ou les employeurs. Après cette matinée de plénière, trois ateliers simultanés sont proposés. Le thème, innovation de produits ou de services, innovation de processus, innovation stratégique et de gouvernance. Innovation is on us. That's the one way to better service for people. And we know it. It is very important. We try to provide the better way to serve people. Mobile application for counseling. We are right now creating new services for our customers by establishing a customer-driven approach. And that is, for us, a new attitude. We invited the colleagues to use the system. To change old structures, to change old behavior is not that easy. So this is one of the main things we are working on, and that's why one of the reasons I'm here, to get input how others do, to work on this culture aspect. Ce que je suis venu surtout apprendre, je dis apprendre, copier, n'est-ce pas, c'est chez mes collègues, c'est comment on introduit dans une maison de façon rationnelle tout ce système d'innovation avec les méthodes, les procédures, les stratégies. L'innovation, c'est préparer évidemment l'avenir, plutôt sur des formats de 3 ans. C'est nécessaire dans une organisation, quelle qu'elle soit publique ou privée, bien entendu, et c'est d'abord de l'innovation humaine, et c'est surtout pas l'innovation technologique. On a, à terme, on a vraiment un défi de faire que cet domaine de l'innovation publique, et notamment de pouvoir se réinventer avec les autres, soit au cœur de la stratégie d'évolution des services publics. C'est aussi incroyablement important, parce que l'innovation est sur l'apprentissage, et l'apprentissage est sur l'information. Deux journées intenses qui vont alimenter et stimuler les processus d'évolution dans les services d'emploi public. Merci pour ce processus et cette démarche que nous avons une fois de plus accomplie tous ensemble.